régime après régime, candidat après candidat, président élu après président élu, les doléances se répètent sans cesse et se ressemblent. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, il n'y a pas de route, l'école ne va pas bien, il n'y a pas de centre de santé. Tout a manqué à ce pays, tout le temps et partout. C'est un constat difficile à faire. Les Béninois ne croyaient plus en rien. Ils n'étaient même plus fiers de leur pays. Les gouvernements se succèdent. Et la prière de chacun, c'est d'avoir un frère, un fils, bien placé quelque part, pour régler nos problèmes du quotidien. Et ce n'est pas pour rien que partout où l'on passe, depuis des décennies, l'une des revendications les plus fortes, à peine cachée, c'est qu'il faut faire la promotion des cadres de la localité. Cette revendication qui ne manque pas caractérise combien plus personne ne croit au développement global du pays, ne croit au développement normal. Le seul espoir pour les uns et les autres, partout au Bénin, pour régler les problèmes du quotidien, c'est d'avoir quelqu'un comme ministre, député, directeur de société. C'est un drame. Je ne reproche à personne de faire cette genre d'alliance, mais c'est pour dire combien l'espoir du développement global a déserté nos cœurs.